Octobus family. C'est nous tous, nos façons pour nous l'homme qui tue notre là. Il y a monde, c'est avec 9 mm, arme à feu, mais puis plus non nous, c'est avec l'angle. Nous tuer l'autre, nous essayer à détruire. Malheur à vous, malheur à nous. Certains, comme le docteur de la loi, peuvent se sentir offusqués et vexés. Alors je ne le dis pas, mais Jésus dirait, vous aussi, qui que vous soyez, quelle que soit votre sphère d'action, si vous agissez selon la loi de la chair, quel malheur pour vous, les gourmands d'honneur, les gourmands de richesse, les gourmands de vanité, les gourmands de sang, quel malheur pour nous. Nous, chaque qui l'a, Jodia, t'a supposé un jour de profonde réflexion. 212 ans depuis des salines t'es posé à génial ça. Et moi-même, qui ça m'a fait? Et moi-même, qui ça m'a continué de faire? Cependant, la bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à vivre éternellement dans le malheur, car il y a la grâce de la conversion. Tortellus family. Dessalines, la première ville historique et touristique d'Haïti, la première capitale de la première République noire du monde, en ce jour de 17 octobre 2018, pour commémorer les 212 ans de l'assassinat du fondateur de la patrie haïtienne, Jean-Jacques Dessalines le Grand. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans la cité impériale. Merci d'être venu. Vous êtes chez vous. 17 octobre 1806. 17 octobre 2018. Cela fait exactement 212 ans depuis que le rêve de toute une nation fut détruit. Jean-Jacques Dessalines le Grand, le fondateur de l'indépendance d'Haïti, celui qui a aussi ouvert la voie de la liberté à d'autres nations du monde, fut lâchement assassiné par des frères haïtiens de même sang qui ont combattu avec lui jusqu'à la dernière bataille de Vétières le 18 novembre 1803, bataille qui a conduit
à la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 au Gonaïve. 2 ans et 9 mois seulement, après 7 grandes victoires sur l'homme blanc, il fut éliminé par trahison pour sa vision de faire d'Haïti une nation libre, indépendante et prospère. Depuis plusieurs années, chaque date s'arrivait. Ville de Saline toujours parée pour accueillir gros événement ça qui c'est commémoration la mort tragique Papa Nation. L'impérial Jean-Jacques Dessalines, ça gagne 212 l'année, depuis gros poteau de garçon ça, qui était déterminé pour fonder une nation sans fausse côté. Une nation juste, côté richesse pays a bien réparti. T'es tombé en babal combattant, qui était gourmé bon côté pour mettre deux systèmes colonial et esclavagiste époque là à terre. Papa Dessalines tombé, parce que quelqu'un qui était senti intérêt politique et économique qui menacé dans l'époque là. Papa Dessalines tombé parce que l'élite politique dans l'époque là pas comprendre, il était continuer cohabiter même si il y a contradiction, même si il y a désaccord. Assassinat empereur, c'est commencement instabilité qui tourne Mac Fabric pays jeudi. Assassinat empereur, c'est commencement irrespect pour autorité. Assassinat empereur, te l'ouvre porte pour corruption. Empereur tracé chemin pour pas de impunité. 212 ans après nous pas divorcer avec pratique ça yo malgré nous voyons pas bail résultat. 212 ans Jacout richesse payant toujours yon bord pi fort. Si nous quitter c'est accroche caoutchouc actifé équilibre la fête n'a bail pays a porter plus chaille pour grand ici. Non seulement Haïti a foulé mais li pas utiliser force li qui c'est qu'il dit non. Li la li temps pour nous ajouter provision dans bois qui pas gain. Li la li temps pour faire équilibre là. Bon côté moun ki pi mal yo. C'est là ça n'a montré nous un peuple intelligent, yon peuple qui gen bon comprendre. Je ne jodi an peuple la mande règlement. C'est normal parce que depuis wap gérer oublier faire règlement. Règlement c'est règlement, condition c'est condition. Peuple a des règlements sur l'utilisation de l'argent pétro-caribéen. C'est normal, il faut jouer un règlement sur l'argent pétro-caribéen. Demain, la demande des règlements sur l'argent, c'est IRH. Là. Après demain, c'est l'abjection de l'argent téléco. L'argent coopératif et l'atrier. L'île a le temps pour changer le comportement dans un abjéré l'argent avec notre sous pays. Là. Président, Premier ministre. Ministre, directeur général, cadre agent administration publique là, magistrat, kazek, on veut un autre signal, on fait ça capable pour l'argent pays qui fait travail pays. Parce que ça qui fait Dieu dire dans machin, c'est l'argent pays qui fait travail pays. Avec l'argent pays qui ça veut demander? Avec l'argent pays qui ça veut demander? Est-ce que nous jeunes? Avec l'argent PIA qui s'est demandé. Avec l'argent PIA qui s'est président Jovenel Banon avec l'argent PIA. Je félicite l'administration Moïse là, avec le gouvernement Séan pour détermination pour développer le pays. Président, je suis bon côté pendant 22 mois de campagne électorale. Je suis bon côté pendant 20 mois où j'ai sous pouvoir. Présence de bon côté, c'est parce que je continue à croire dans la vision pour Haïti chéri que nous tous aimons. Frère Axem, 17 octobre, c'est une date sacrée pour le pays d'Haïti. C'est le moment côté que nous commémorons un événement qui est triste en pile, dans l'histoire du pays. C'est une tâche qui colle dans l'histoire du pays d'Haïti comme peuple libre, peuple qui gourmet. À gros force fait noir pour nous bailler le monde entier yon coquin chien exemple. Nous te montrer tout peuple sur la terre que l'esclavage c'est une mauvaise pratique qui doit suspendre et on doit déraciner quel que soit genre ou pratique ou bien côté li existe. Pour ça te ka fait
Dessalines te campé qui na la ganache contre division qui te gagné dans colonie c'est nous-mêmes. Li te permettre que tout petit pays a rassemblé et on te vienne faire yon. Quel que soit qui est-ce qui te maman, quel que soit qui est-ce qui te papa, quel que soit couleur ou te yé. C'est plus gros leçon dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est une plus grosse leçon pour l'humanité. Là, nous te montrer le monde entier qui ça nous a fait notre tête ensemble. Qui donc, République d'Haïti, c'est une référence pour tout peuple sous la terre qui remet liberté. 17 octobre, jour nous saluer mémoire gros nèg qui c'est Jean-Jacques Dessalines pour ça lui représenter pour nous pour nation. Nous tous d'accord que nous devons changer façon que nous vivons dans le pays pour que tout haïtien ca vive dans la paix. Pour nous qui travaillons pour le pays ca utiliser toutes ressources li pour toute petite qui vive plus bien. Parfois, il y a des gens qui dirigent le pays. Mais qui même rivé au peuple parler des ressources que nous possédons. Comment un président de la République qui a chaise sous dos pour diriger un pays qui a 27 750 km², un pays qui a 11 500 000 personnes qui vivent la donne. Au pays qui a 4 millions de frères, nous, compatriotes, nous qui vivent l'autre bord de l'eau, ou peut parler de ressources pays. Pour qui ça, pour ne pas dire que le pays a du pétrole, il y a l'eau, il y a cuivre, il y a tout bagaille en bas de terre qui permet de développer pour compte lui. Pour qui ça, pour ne pas dire ça. Nous ne pas dire ça, c'est parce que parfois, nous ne pas connaître si le au monde rivé président chaille qui sous dos là faut capoter. Et ben jodi a moi paré pour me dire nous pays d'Haïti gen ressources en batel qui ka permettre que pays ça suspend pour te couille li bay moun. Pays d'Haïti gen ressources en batel qui ka permettre bataille qu'a fait pour développer pays a li ka développer avec ressources sa yo. Mais malheureusement parfois nous pa di repè nous pa di route côté de bo aller. C'est un coup nous kon comprendre nous prend route pour aller Gonaïve et puis l'en garder c'est pas tout prince pour aller. C'est peut-être ça. Moi, Abdil Jodi, l'aime te fin prêter serment. 7 février 2017, là. Moi, joine au pays, côté problème infrastructure. C'est un des plus gros problèmes que le pays a pour moi. Il est gagné. Je ne veux pas aller au passé pour qu'ils me disent qu'il est gagné. C'est parce que je dis, dans le marché de Salines, 100% ingénieurs et techniciens qui sont travaillent jour et nuit pour mettre campé première centrale hybride, ça veut dire une centrale qui marche avec soleil, avec gaz, campé dans le marché de Salines. 100% moun sa yo, c'est haïtien yo. Pas de gain blanc te vin travail dans centrale de Saline nan. Centrale marchand de Saline. Kay papa de Saline, nous connaît comment il ta content jodi a. S'il te wè, li te vivant pour te garder, c'est haïtien seulement petit li qui saute bay courant dans marchand de Saline. Kap continue travail pour que premier centrale moderne qui marchait avec soleil, avec gaz que EDH possédait,
c'est dans le premier capital pays allié. Je voulais parler de ville de Saline. Peuple haïtien, je te garde sous modèle tête ensemble, papa de Saline. Pour nous te mettre l'État dans le service, peuple. Et c'est pour ça, là nous, n'a pas utilisé tout ça l'État possédé, tout le monde qui a connaissance dans l'État, pour institution capable de faire travail plus bien. Pour l'État, by plus service. Pour permettre la Tibonite qui se potomit en agriculture. La Tibonite côté, chaque un an et quelques mois, dans la vallée. Jean, nous prenons décision pour nous continuer le travail dans la vallée de la Tibonite là, avec la réforme n'a pas fait dans les affaires bloc production. Je profite de saluer paysans, agriculteurs, travailleurs dans la vallée de la Tibonite qui là ensemble avec nous dans le marché aujourd'hui. Bloc production, ça y est, que nous avons goûté pour nous mettre sous pied. Nous avons dérapé. Il y a 12 blocs, je dis, moi fait apprendre, il y a 30 autres blocs qui sont inscrits, ça veut dire, il y a 42 coopératives agricoles, côté chaque, ils mettent tête ensemble, pour ils mettent 21 000 carottes en valeur ensemble. Mais vrai modèle, mais ça, papa de Saline demande. Pendant ce temps, moi connais, il y a un pile monde qui parlait des affaires en grès, monde a fait corruption dans eux. Quand pile monde qui parlait, t'as couru un magistrat sur deal pour faire drainage dans pleine. Mais j'en nous connaissons, nous pas pour faire toute bagayo yo seul coup, parce que travaillons en pile, yo travaillons en pile en pile. L'imandé, en pile compréhension, en pile patience, qui sortit bon côté nous tout. Moi connais, problème est tellement gros. Nous t'aurions aimé faire tout bagaille un seul coup. Mais malheureusement, les papes qu'a fait comme ça. Moi t'ai utilisé modèle papa de Saline parce que me comprendre que injustice sociale, droit monde qui pas respecté à corruption depuis indépendance pays fait que Haïti pays noir toujours gain instabilité, chirépite, désordre qui fait malgré tout gros monde qui connaît réfléchir que pays a produit, malgré tout gros bagaille que peuple haïtien ça fait dans histoire, dans moment ça yo pays a fin dégradé dans même. Si 214 l'année après 1er janvier 1804, si 212 l'année nous-mêmes haïtiens pareil des Salines. Nous fin touyel. C'est pas de blanc qui assassiné des Salines. C'est nous qui touyel. Haïtien pareil li. Pour Jean lui-même, il te réfléchi pour te retirer nous, mettre nous sur route changement, sur route développement tout bon. Papa nation, nous continuons nous-mêmes à goumer toujours. C'est quand cou nous dit nous pas aimer pays ça. Tout haïtien jodi, on nous fait un gros réel solennel. Pour nous tous prendre conscience que nous devons suspendre les affaires de division, chirépite, les affaires d'injustice, exclusion, violation de l'homme, trahison et corruption. Et puis, pour nous tous mettre nous ensemble pour nous marcher dans le chemin de développement. Je dis à ma demande. Si tout groupe monde qui représente élite dans le pays, citoyens qui dans le secteur économie, petit marchand, gros marchand, monde qui produit, monde qui revend, monde qui investit pour bailler l'autre travail, citoyens qui dans la politique, dans tout niveau, sorti dans militant politique, en passant par AZEC, KAZEC, délégué ville, magistrat, vice-délégué, délégué, député, sénateur, ministre, premier ministre jusqu'à président.
intellectuel qui a pensé pour la société, qui a écrit, qui a enseigné dans l'école, les gens qui sont dans l'association société civile, tout groupe de gens qui, depuis 1804, depuis la division qui menait dans l'assassinat de Dessalines, Pont Rouge, en 1806, et qui n'a jamais entendu pour le bail pays dans l'autre direction. Je dis en tant que président pays, je vais un seul message pour tout Haïtien, tout compatriote, tout le monde à la ronde badè qui bouquait avec souffrance, avec injustice, avec exclusion, avec la vie chère, avec grand goût, avec corruption, avec chirépite, avec trahison qui la cause Haïti pas arriver dans le niveau côté nous tous voulons. En nous marcher main dans la main. Pour nous capter toute j'aime division qui fait nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour nous changer Haïti. C'est un coup, Jean Magistrat, l'Isodil, mais moi-même, m'a dit Jodia, est-ce que Pétionville, Gorui qui relè, rue Jean-Jacques Dessalines, est-ce que Marchand Dessalines, Gorui qui relè, rue Alexandre Pétion, Jodia m'pense magistrat, son nécessité pour nous. Pour que ville Marchand Dessalines go recrele rue Alexandre Pétion, pour que Pétionville magistrat Pétionville la cap tandem cap gardem la go rue dans Pétionville qui rele rue Jean-Jacques Dessalines, l'union fait la force, ça s'en dégoumé pour nous gagner indépendance nous jodi a. Faut rouge ak noir, faut riche ak pauvre, faut paysan ak nèg la ville qu'à mettre tête ensemble pour nous retirer pays à nos alliés. Bataille contre corruption, les pas en bataille pour nèg vinn faire passer tant coup procès consolidation. Bataille contre corruption, l'argent Petro-Caribéa pas gen personne qui a fouillé dans trou, parce que moi-même moi dis depuis premier jour 7 février 2017 moi te dis bataille contre corruption c'est bataille pas lié. On nèg qui te mangé l'argent l'état, on nèg qui prend comme l'état ou fait fortune richesse ou akli, jodi a moment arrivé pour venir rendre compte. Mais compte pour venir rendre non, pas gen personne qui a passé par en bas pour venir prendre bataille contre corruption pour innocent al nan prison et puis coupable a gros voleur zéro qui dans la rue. Bataille ça, c'est bataille pao. Bataille ça, c'est bataille qui pour retirer nos fait noir. Bataille ça, c'est bataille qui pour construire l'école professionnelle dans toute commune dans pays. Bataille ça, c'est bataille qui pour interconnecter commune yo. Toute commune dans pays a yon a glotte. Bataille ça, c'est bataille pour moun suspend faire surfacturation dans pays. Son bataille le. Par exemple, centrale hybride qui a allumé Marchand Dessalines. Premier projet qui est arrivé à venir joindre moi, c'était 7 millions de dollars. Je dis à l'État pour dépenser 1 million de dollars, ville Marchand Dessalines qui est en lui-même. C'est bataille contre corruption, ça. C'est lui nous demander, je dis. C'est bon bataille. Pour ne pas mettre gros cop dehors, on fin mettre gros cop dehors, et puis pour cacher bagarre en battable. Procès Petro-Caribéa. Procès lutte contre corruption pas passé en coup procès consolidation côté trois moun qui étaient coupables yo tous les trois devin président d'Haïti li pas passé comme ça procès ça branchage la fête je ça doit faire président de la république chef de l'état branchage la fête procès à fête. Pas gen moun cap vin camper pour lever frem ak sem dans quartier populaire qui pour al travail pour casser feuille couvrir ça tout monde qui t'a mangé l'argent l'état dans mauvaise condition c'est pour venir rendre parce que comme l'état nous besoin jodi a président république là ensemble avec membre gouvernement présenter sympathie yo ak solidarité yo by tout membre la presse.
parlé, écrit, télévisé, en ligne, qui était en difficulté sous parcours, sorti marchand pour venir Port-au-Prince, surtout dans le niveau CEMAC. Nous saluons le courage journaliste. Nous connaissons quelqu'un qui subit gros choc physique et quelqu'un qui subit choc psychologique. Nous profitons de l'occasion pour nous souhaiter un bon rétablissement. Dans la même idée, le gouvernement félicite la police nationale pour le travail et pour le travail fait dans l'occasion du 17 octobre et pour le travail qui continue à faire dans la population ni j'ai été comporté avant. Félicitations ça doit aller à tout membre police là qui t'ai montré très professionnel la journée dans comportement été adopté. Nous pas oublier personnel bureau secrétaire d'état sécurité publique là qui t'ai protocolé dans exécution plan sécurité journée. Gouvernement voyez sympathie by tout monde qui gagne moun yo qui mouri, moun qui gagne moun qui blessé ou soit qui subit choc psychologique. Nous voyons sympathie tout by moun ki gen business yo ou soit toute activité ou tap mené qui attaqué dans journée an. Président et premier ministre là di moun sa yo yo solidaire avec yo. Li mande autorité la justice fait travail yo nan mené bon jan enquête pour connaître dans qui condition moun sa yo victime. Jan sa toujours fait cérémonie officielle pour commémorer journée 17 octobre là. T'es commencé dans Pont Rouge. C'est dans Pont Rouge nous connaissons, il était assassiné Jean-Jacques Dessalines. Président et première dame, nan, membre du gouvernement et l'autre pouvoir dans l'État, l'idée pour respecter la tradition, c'est déposer un jet de fleurs dans le pied monument. Pendant la cérémonie, en pile disposition te prend à niveau sécurité pour tout bagaille bien passé. Après autorité au fin déplacé, il y a un incident qui éclaté. D'après l'image, il y a un agent USGPN qui recevait un coup de coche dans la tête. Ça t'apprend la cause, il y a un pile tiré. Pour qu'on ait un agent USGPN a rétabli. Il n'y a pas de problème. Dans le moment incident, on a précisé, le président de la République a été déplacé avec tout le reste du gouvernement. Donc, il n'y a pas de danger. Pour anticiper sur les questions éventuelles qu'on a posées, dans ce sens-là, nous pas capable de parler de tentative d'assassinat sous chef d'État. Dans le marchand de Saline, le président de la République de l'Alandis School a profité le jour 17 octobre pour réaffirmer l'engagement pour gommer contre la corruption. Et puis, il a profité d'inviter le Premier ministre pour porter support à toute institution qui concernait, et spécialement l'institution à niveau de la justice qui a traité le dossier Petro-Caribéa pour bayo en pile encadrement. C'est comme ça, chef l'État a précisé, aucun monde, vraiment aucun monde, pas capable d'échapper à la poursuite de la justice. Dans quatre discours, le président a demandé secteur privé, politiciens, militants politiques, intellectuels, tout le monde qui a un mandat, donc AZEC, KAZEC, délégué ville, député, sénateur, pour y faire un seul, pour gommer contre la souffrance de la population, contre la misère, contre l'exclusion, la violence et l'insécurité, et puis tout pour protéger la souveraineté nationale dans la façon de gommer. Nous croyons que c'est normal pour les citoyens de demander contre le Beto Caribe. Chef de l'État, profitez après le fin d'un des appels citoyens pour demander toute autorité dans l'État. Ou sinon, toute autorité qui était dans l'État, qui concernait la gestion de l'agent Petro-Caribe, pour mettre à la disposition de la justice. C'est un devoir moral. Dans une société démocratique, personne ne peut, vraiment, personne ne peut pas courir pour la justice. Je te dis déjà dans la conférence que nous avons ici, en parallèle à la justice, ou du moins pour renforcer et peut-être mettre plus de documents à la disposition de la justice, dans le niveau gouvernement, nous déjà pris contact avec un pile compagnie qui concernait la gestion de l'agent Petro-Caribe. Nous demandons, bon nous éléments d'information sur la façon dont gérer l'agence,
sous façon de exécuter le contrat qui était dans le main. Rapport sous collecte d'informations qui a découlé d'éléments d'information, donc de tout dossier qui a soumis nous, rapport ça a venu, puisque son sénateur de la République qui a demandé pour le ministre, eh bien, nous avons pour remettre rapport ça au président de la Commission éthique et anticorruption. Dans un état démocratique, exercice droit pour n'importe qui monde manifester, exprimer comme ça citoyens yo nous constaté hier il y a un pile monde qui était manifesté de façon pacifique. C'est un droit constitutionnel pour citoyens exprimer pensée yo dans l'espace public là sans pas aucune contrainte. Manifestant yo la manifestation amendé coûte l'argent Petro-Caribéen. Eh bien, dossier dans la justice, c'est la justice, déjà, comme l'idée a saisi de lui-même, c'est seule la justice qui est capable de traiter dossier. Gouvernement n'est pas capable de faire justice. Il y a une institution qui est là pour ça. L'exécutif, c'est un pouvoir. La justice, c'est un autre pouvoir. Législatif, c'est un autre pouvoir. Constitution encadrée, mission, trois institutions, ça y est. Chaque institution a travail. Suivant la Constitution, on a respect, ça qui définit sous action et déposé. C'est depuis le 15 que la police, la justice, le gouvernement étaient à pied d'œuvre pour éviter une série de problèmes patriotiques. La pays a en prélude à ce que tu as prouvé, c'est le tombe là. Et toi, petit ça, le peuple a le droit de manifester son droit que la démocratie a bali, son droit que la Constitution a bali. Dans la règle de l'art, dans la mesure où les avertis par la police, et bien les respecter par Kourou. Même toujours dit que les leaders qui lançaient manifestation, ça y est, il faut assurer que tout va passer bien. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous avons des informations fiables, que il y a des gens qui infiltrent ce qu'a fait là avec, à d'autres fins, à d'objectifs personnels qui liaient toujours à même. Histoire de manifester pour la rue sous bannière Petro Challenge. Et tout même aller me demander mon yo lorsqu'on leader ou lance un bagage Petro Challenge qui correct peuple a demandé pour qu'on ça passe à Petro Challenge c'est correct c'est normal mais là on a posté jamais fait sur les réseaux sociaux là on a vu des mails avec Petro de Soukage on m'a dit même leader ça yo pour dire mon yo c'est pas ça la fait et même la font l'autre bagage. Parce que surtout, et je dois répéter, que vous ne connaissez pas que vous ne pouvez entrer dans l'école secondaire, dans le lycée, faites-le dans la rue. Parce que qui a rapport à ce monde qui est à l'école, à un monde qui a demandé compte pour Petro Caribé. Je ne pense pas aucun rapport. Si vous avez des parents qui habillent, qui nourrissent, qui payent l'école pour aller à l'école, il n'y a pas de sens pour que si vous ne pouvez pas exposer dans la rue, pour aller dans le bâtiment. Il n'est pas bon. En sauver Timon, en retirer Timon, lycéen, dans sa cafette là. Donc, j'ai un droit depuis 2015, la police tapée d'œuvre, nous avons un bel plan d'opération et m'a tout profité de remercier la presse qui fait un bon travail, la police qui fait un travail impeccable, nos brigadiers de la sécurité publique, le ministère de la Santé, le ministère de la PTC, tout le gouvernement entier qui fait un travail impeccable par rapport à sa prévoir pour te faire là, tout le monde n'est pas sa fête. Parce que pendant que le peuple a manifesté pour moi correct, il y a des gens qui doivent le faire. Moi-même, je vais ça en guérilla urbaine. Parce que nous, Québécois, qui avons un cocktail Molotov, nous, Québécois, qui avons un examen illégal sur nous, et je ne vais pas parler de nous qui avons un roche, nous qui avons cassé dans le monde. Et c'est Dieu peut que nous empêchions que vous brûlez deux pommes de gasoline, et si nous ne pas mettre ça en limite, parce que non seulement nous obligés de sécuriser tout parcours de manifestation, nous obligés de sécuriser tout site public important et stratégique, nous obligés de sécuriser tout gros hôtel et pompe gasoline et nous obligés de sécuriser paisibles citoyens qui est à Kaeli, qui n'a pas décidé de prendre la rue pour la demander, même s'il est d'accord, mais il voulait faire l'autre activité ou bien être à Kaeli. Il faut nous protéger tout cela. On dit que nous avons manifesté à tout. Il faut l'aider à protéger la liberté de Mounsa qui part sur le terrain. Il faut l'aider à protéger la volonté de Mounsa lui-même pour le vaquer à l'occupation, pendant qu'il y a même démocratiquement, on va demander de rendre compte sur le fond Petro-Caribéen. Si on parle de bilan, nous enregistrons nous-mêmes
alors un bilan partiel, deux morts. Ok, il y en a dans la deux, il y en a pas quoi. Il y a 8 véhicules qui incendiés, donc 6 motos, 7 motos dans le sud, 6 dans le sud, il y a une quoi dans le nord, au nord-est, et puis 11 machines qui brûlaient. Et nous avons enregistré 11 blessés par balle, sans bilan partiel, mais DDO a travaillé sur dernier bilan, mon bilan définitif. Donc, nous saluons ce qui passé là. Encore une fois, chapeau à la police, travaux publics, sécurité publique. Parce que ça qui est arrivé hier là, c'est pas ça qui est arrivé. C'était arrivé à Ronchamba en demain. Parce que j'aime dire là, chaque monde a un problème pour prendre la rue contre le gouvernement. Mais chaque monde a un objectif différent. Il y a un monde qui est dans le challenge, il y a un monde qui a besoin de chercher la constitution, il y a un monde qui a besoin parce qu'il a empêché le fonds de débat dans le pays, il a fait comme votre gens, il a mis le gouvernement pour qu'il y ait à l'aise, il y a un monde qui a besoin de transition. Il y a un monde qui est dans l'élection. Donc, chaque monde a un besoin qui est différent, mais tout réuni en bas, en grande manière, petit challenge qui, pour moi, c'est un correct, qui est normal, c'est dans la constitution à demander pour un compte de COP que pays prêté son nom. C'est tout à fait normal et correct. Et dans plusieurs fois, chef de l'État, premier ministre, a dit que oui, il a fait pour ça, oui, l'institution qui est passée pour ça a fait lumière sur cette situation. Donc, on dit que la démocratie a fait de façon, on a le droit de manifester. Vous avez le droit de monter sur le béton, vous avez le droit de revendiquer, mais il faut faire sans pas déranger pour l'autre monde. C'est une journée qui est très positive, en ce sens que les préparatifs ont été contrecarrés et tout le cas qui n'a pas planifié pour être fait dans le pays, et à travers la police qui était à disposition et des décisions claires pour ne pas quitter ça arriver. Et nous voyons que il voulait être assez positif, bien que à la fin de la manifestation d'hier, on a vu que il y a des individus et qui mal intentionnés qui l'ont mis en Mounzao, qui étaient là seulement pour casser et briser. Et n'a pas remercié la police d'abord pour grand effort ça qui montrait qu'il est à la hauteur. Et l'homme dit la police, tout organe de la police nationale, on a dit merci et on a félicité eux parce que jeudi, il a prouvé vraiment que il y a une capacité pour que la police en fait travailler, qui s'est protégée et servie et pays. Je pense que c'est normal et priorité d'abord pour nous féliciter, pour nous dire merci. Merci pour jeudi, bien que nous connaissons fait 3 jours de préparatifs pour te contrecarrer ça qui était planifié avec certains membres de l'opposition pour te créer des autres, bien que il n'y a pas de carré réussi. Et nous pensons que journée en lui-même était positif et bagaille qui négatif. Nous pensons que la police gagne image, gagne vidéo, parce que normalement toute manifestation qu'on a le sorti couvert avec un drone, il y a un drone de surveillance qui fait tout parcours là, qui a suivi tout bagaille qu'a fait. L'on a fait des ordres et nous venons ça bon casin et Pétionville là. De la rive de Pétionville, bon, Kinam, il y a un magistrat qui a Roche, en carrément sur l'hôtel Kinam. Bien que la police ait fait intervention et pour ça suspendre, il a traversé sur l'autre bocazen, le commissariat Pétionville, il a voué Roche et nous avons identifié des nègres qui rallient les âmes et le cap circule dans tous les réseaux sociaux. Il y a pour que les nègres qui ont bocazen et le commissariat Pétionville, cap voué Roche et les nègres qui ont mis qui rallient les âmes, cap tiré en l'air tout. Et je pense que le drone, l'image là, et suivi par le fait. Je pense que nous avons parlé déjà avec et regarder une institution qui garantit que il y a des suivis qui ont fait pour faire des identifications sur certains éléments qui étaient en dedans et journée manifestation hier là, que nous identifions, que y a fait suivi pour faire arrestation yo, parce que identifié clairement avec ZAM et clairement qu'a tiré la mi-temps foule là pendant que tu avais écrit le chaos qu'a voué Roche sous commissariat qui t'a censé d'adjo provoquer la police même pour que et chaos ont été éclaté. Et me félicite la police encore parce que j'ai réagi en professionnel, yo pas prendre la provocation et été minimisé risque des gars qui était produit vraiment et ce journée 17. Notre action ça pour acte de terrorisme et parce que parmi il y a des citoyens paisibles qui dans mouvement qui était sorti à la manifestation qui pas dans aucun rapport avec nèg de ka dit qui connaît même les gangs en dedans et peut-être et certains comploteurs de mouvement ça
ka konnen ke la genèk de avec zaman dan foul lan pour créer le chaos parce que c'est ça lié parce que le, la police lan li même li wè w ap tire wòch sou li OK li gen une des interventions ki la ki gen bouclier ki pa un problème pou wè wòch sou li ki ka protéger kòl mais le kounya w ap pral les armes lan mitan foul sa w ap tire la police gen l'autre réaction que la gen en face action sa ki gen ki ka causer des dommages collatéraux à des deux bords. Vous comprenez? Je pense que Zach, ça nous condamne sérieusement. Nous condamne et ça fait un affaire suivi de ça. Et nous voyons que tout manifestant était sorti, foulant des deux vraiment. Il est sorti, il a exprimé et ça pour exprimer. Mais malveillant, ça a obtenu la mi-temps. Et qui était là pour venir faire chaos seulement. Ou est-ce que la réaction qui a été gagnée après que la manifestation finie? Ou yo prend la rue, yo konvoye kaze lije, yo débarqué nan institution en bon qui pas dans quel rapport avec affaire Petro-Caribe parce que c'est pas l'état l'ordre tu bien l'état c'est mal qui grave pour yo même arrivé attaquer et service immigration sur la lui on pense que c'est un bagage qui anormal pour si, est-ce que moun yo c'est penser ou pas penser est-ce que c'est cerveau ou pas gagner est-ce que c'est pas haïtien oui parce que si au grand côté service d'immigration connaissait en fait passeport tout bail sensible ça existe pour que les monde qui vient attaquer cap voyer roche c'est écraser pour essayer pénétrer pour faire l'obéir moi pense que faut mode de dirigeant ça aucun gain yo mode de leader ça qui soit dans l'opposition faut que commencer bail peuple de bon exemple écraser brésilien pas petit rien ou écraser immigration te fait écraser immigration demain matin on prend pouvoir. Comment on va le prouver qu'on y a ben blanc mais al chita avec eux que passeport l'en fiable que yo ka respecto en tant qu'haïtien. Le problème ça qui que des fois nous bail des images que nous n'a projeté qui vraiment négatif pour société hein, qui vraiment négatif pour un pays et pour dire qu'il soit en gain démocratie et grande forme de respect supposé gain. Moi pense que état de droit le président te bal un discours et à marché de Saline discours en clair et me pense que état de droit doit exister dans le pays même j'ai déjà la police moi elle te dit le tout l'état de droit doit exister pour de façon que tout le monde sente confortable dans le pays ça me pense que si par un pays nous pas fait état de droit là dedans et bien si c'est sous au nom de la démocratie au nom de politique que n'a fait vagabondage que n'a fait et bien monsieur me pense que nous pour aller à pays droite dans Kachubumbe que nous pas retirer qu'on la donne et que nous tout a victime je pense que faut que ça nous suspende et ces faux leaders de l'opposition c'est soi-disant monde qui aime peuple et puis c'est au cap voir peuple à la boucherie je pense que c'est un bail qui est inacceptable je pense que comme état de droit président accent sur lui souli faut chaque une responsabilité dans pays ça je pense que et manifestant que nous étions dans la flagrance, drone de surveillance, fait image, tout bail, photo, tout bail, ça existait. Quand nous avons pensé que ça nous était là, la flagrance qui a crasé, brisé, eh bien, nous allons faire suite avec eux, l'emporter, pour déposer plainte contre nous-mêmes, contre tout ça qui est fait, et un zac de gradage, pour payer ça, et pour ça, pas répéter encore dans la prochaine manifestation, qui a prévu de payer ça sur n'importe quelle forme qu'il a fait. À l'instar d'autres secteurs de la vie nationale, nous très préoccupés par rapport à la situation globale du pays. Nous préoccupés tenant compte de plusieurs événements, nous capables de dire des événements en série qui ont produit dans le pays. Et nous ne sommes pas capables de ne pas préoccuper en tant qu'institution de protection et de promotion des droits humains. D'abord, nous préoccupés lorsque, par exemple, nous attendons, que gagne des journalistes qui exercent profession yo qui fait des déplacements pour aller couvrir des reportages et puis au cours de route pour rentrer la caillou la capitale là yo prend pour cible ils ont été pris pour cible yo tombé dans sandale on guet-apens donc ça nous capable dire c'est une atteinte à la liberté d'information c'est une atteinte aussi au droit de circulation. Nous préoccupons tout lorsque, et ces dernières semaines, ces derniers jours, nous avons constaté que il y a des personnes, des élèves en uniforme qui retrouvent dans la rue, et bien qui ont manifesté
peut-être à tort ou bien à raison. Alors que Placio t'a supposé dans l'école, Placio t'a supposé dans le foyer, Placio t'a supposé sur le terrain de jeu, alors que vous vous trouvez dans la rue. Donc, au nom de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous très préoccupés. Il faut que nous disions, sous point ça, nous avons des informations qui étaient à confirmer. Matin 18 octobre, là, nous avons une équipe d'enquêteurs de OPC qui peut aller dans des commissariats, dans des sous-commissariats pour vérifier des allégations qui t'ont fait croire que tu as des témoins qui ont retrouvé en garde à vue. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est vrai, nous ne sommes pas capables de dire que c'est faux. Et c'est peut-être ça que nous mettons une équipe d'enquêteurs d'OPC pour aller dans des commissariats de l'aire métropolitaine pour vérifier est-ce que c'est des bagages qui sont réels. Est-ce donc ça, c'est un. Confirmer avec nous dans quelles circonstances tu t'as trouvé là? Nous pas connaît. Nous pas connaît. Mais voilà pourquoi que nous avons des enquêteurs qui, jeudi 18 octobre, là, qui déjà sur le terrain pour aller enquêter pour est-ce que c'est réellement ils sont en garde à vue. Et dans quelles circonstances ils ont en garde à vue et qui côté, ils ont dit dans des commissariats, on ne sait pas, des commissariats de l'aire métropolitaine. Nous préoccupons tout lorsque nous avons des informations, cette fois-ci crédibles, qui viennent joindre nous à travers nos enquêteurs. Côté que, par exemple, il y a des femmes enceintes qui étaient sur le point d'accoucher hier 17 octobre là, et qui ont trouvé, ils ont enterré dans la zone côté OTEA. Parce que tu as une peur qui t'est installée, tu as un problème d'insécurité nationale qui t'est posé. Donc, ça fait que mon soeur pas capable de déplacer pour te jouir de sanitaire le droit à la santé qui sont droits fondamentaux. Nous aussi préoccupés tout lorsque, par exemple, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont dans des asiles, il y a des gens qui sont dans des centres hospitaliers, du côté plus précisément de Plateau Central, ville Mion-Balais. Dans l'hôpital Mion-Balais, dans le plateau central, eh bien, on a été dans de sérieuses difficultés. Côté que, par exemple, il y a des produits et des produits qui ont posé des problèmes respiratoires pour eux-mêmes. Non seulement caoutchouc a boulé, des gaz lacrymogènes qui ont lancé, et le plus souvent, c'est en général, selon ça que nous avons, c'était des gens qui étaient très âgés, des gens qui sont au-delà de 70, 75 et même 80 ans. Donc, en clair, nous-mêmes, en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous sommes capables de dire que nous avons de vives préoccupations lorsque nous constatons que nous avons un climat de violence, un climat d'insécurité généralisée qui a développé, et nous croyons là les acteurs, les autorités étatiques, et bien de prendre responsabilité. C'est en pile disposition qui te prend avant l'événement 17 octobre-là. Pendant l'événement 17 octobre là et même après, mais en dépit de cela, nous arrivons à enregistrer quand même des bagailles, des faits que nous pas souhaiter. Deux mois par balle dans le département de l'Ouest là, et bien bonheur dans le matin et à Delma 2 et à Paco, et 11 blessés par balle et dans le sud. Dans la Tibonite et dans le nord, dans l'ouest, 7 véhicules de police incendiés. Et parmi les véhicules, ça, on a parlé de motocyclettes et avec machines. 6 dans le sud, et yon dans le sud-est. 2 véhicules de police endommagés avec outwash. Yon dans l'ouest, yon dans le sud. 2 véhicules particuliers incendiés. Yon nan l'ouest, yon nan sud, yon bâtiment nan département l'ouest la incendié. La police fait 8 arrestations, 3 nan l'ouest, yon nan sud-est, 2 nan nord-ouest, 2 nan centre. 11 policiers blessés à coup de roche, nan l'ouest avec nan nord. Et yon nan policier sa yo, nou gen encore à l'esprit, c'est bien bonheur dans le matin, dans Pont Rouge, côté policier USGPN, nan, qui t'a pas su le garde présidentiel là, et bien, tu prends un coup de roche dans la tête, et sous caméra la presse, tout le monde t'a regardé comment sang baigne sous monsieur,
et c'est en toute urgence que yo te couri dans un Tortellus family pour t'aller prendre soin que calte nécessité. La police aussi rivée dévier deux groupes qui t'a pral bouler deux supermarchés, ça nous les maquettes là. Donc c'est ensemble de bilan que nous gagnons, ne serait-ce qu'un bilan partiel, parce que nous tendez dans la Tibonite et plus particulièrement à Saint-Marc et aussi dans le sud d'Haïti. Et quelques temps après, tu as vu l'autre monde qui est en difficulté. Et l'autre événement vient à permettre que les nous gagnons là, tu es capable de grossir. Cependant, n'a pas rentré en contact avec le centre de renseignement et d'opération de la police là, qui a compilé les données qui sont dans 10 départements géographiques pays là, pour nous capables de compléter les données ça et au moment opportun pour nous capables d'informer la presse et véritable activité que la police a réalisée. Mais comme nous, Télé Guinée, si vous permettez-moi, c'est que le jour qui était précédé l'événement, le 16 dans l'après-midi, et parce que nous disons que le dispositif là c'était avant, pendant et après, le 16 dans l'après-midi, c'est que il y a un groupe d'élèves de lycée qui t'a manifesté dans l'air champ de masse là, et que il y a des gens qui t'a mis même uniforme lycée ça sous yo, et puis qui t'a simé des ordres, et qui pas jamais élève lycée à du tout, et que la police dans l'air métropolitain a été procédé à arrestation yo. Et il y a une valise dans le dos qui charge les roches. Et puis, il y a une roche sur la machine qui a passé. Il y a une roche sur le monde qui a passé. Donc, c'est ensemble des dispositions que nous prenons. Donc, dans le public, nous avons arrêté les gens avec des armes à feu sur yo. Et nous avons confisqué les machines qui étaient illégales. Et DDO, dans la direction départementale ouest, bon côté par donner la voie ba nous qui pour permettre nous compléter bilan parmi donné ça yo gen moun yo joine à bon motocyclette à galon gaz nan men yo qui va prendre l'aucun côté nous pas connait qui défini côté yo praler par quoi yo pas défini mais yo chaque gen galon gaz nan men yo. Donc c'est ensemble de dispositions que la police te prend à travers tout pays à travers 10 départements géographiques pays qui rend événement ça te possible ni pour moun qui t'a manifesté ni pour officiel qui te gen pour te et rehausser éclat et 17 octobre là parce que tout le monde qui dit 17 octobre tout haïtien qu'on a dit ça 17 octobre représenté. Donc tu as un ensemble d'événements et qui t'es gain pour faire sur voie publique là hier et la police te prend des dispositions pour te bailler tout le monde sécurité dans activité ou t'es gain pour mener et pour battre pour te sécuriser bien l'état et dans journée 17 octobre ça société en général te prend leçon parce que c'est société en fait qui était victime de situation et d'avant yo et cependant non pas même si yo gagne des similitudes entre 6 et 7 juillet mais nous pas les circonscrire et dans même registre dans la mesure où 6 et 7 juillet c'est un événement soudain c'est un événement qui tout le monde même si tu gagne des rumeurs et des bagages qui t'a parlé sur les réseaux sociaux, mais peut-être un peu de monde pas entendre ni à en pleurs comme ça. Et pas de personne qui t'a notifié la police, qui t'a pas fait quoi que ce soit sur voie publique là. Donc nous pas voulons inscrire dans le même registre. Et par contre, pour l'événement 17 octobre là, c'est à travers toute la République, tout chef de juridiction policière était censé notifier que y a des gens qui t'ont décidé de manifester sur voie publique là. Donc à ce moment là, et oui, nous prenons le son, nous pas minimiser ça qui passe, mais certainement, nous meilleure disposition te prend à temps parce que la police t'est informée de l'ensemble d'activités qui t'est capable de faire sur voie publique. Là. Lorsque la population a montré détermination, lui demander des comptes, lui poser des questions, faut que nous pouvons répondre à eux. C'est peut-être ça, nous-mêmes, dans l'UNI, nous lançons un appel. Un premier appel par le président de la République, le président Jovenel Moïse. Pour nous dire, il faut le convoquer un conseil des ministres extraordinaires pour lui prendre des mesures pour que lui pote réponse à la population hein, au regard de l'événement passé. Non, le conseil des ministres extraordinaires, ça qui doit décider d'abord? Eh bien, décision pour que vous convoquez monde qui t'a gagné des contrats de l'État dans main, firme qui t'a exécuté des contrats qui n'ont pas fini d'exécuter
ou bien que vous pas exécuté du tout alors que vous encaissez l'argent public là. Ou pas quitter moun sa ou son pas garder yo, son pas me poser une question. Et il faut que la justice capable prendre des mesures conservatoires, interdiction de départ, gel de bien moun sa yo en attendant que enquête révélée si oui ou gen tort ou sinon yo pas gen tort. Ça président en fait pour le faire, pour le sortir de la parole aux actes. Donc, président, faut le commencer à rendre compte que la parole présidentielle ne vaut presque plus rien. Parce que la parler, la promettre, mais en y est pas jamais privé réalisé. Faut président sortir la parole pour l'entrer dans un geste fort, des mesures fortes qui montrent que lui pas tolérer corruption, même si corruption, c'est un monde qui n'a proche, qui n'a entourage, qui n'a pas qui n'est impliqué là-dedans. Deuxième appel que nous lançons, c'est appel à mes collègues de l'opposition. Moi, tout moins dans l'opposition. Parce que moi, pas dans le pouvoir. Unir pas dans le pouvoir. Mais nous avons des méthodes et nous avons des stratégies différentes. Nous-mêmes, nous pensons que c'est par le dialogue pour nous résoudre le problème pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de radicaliser position. Nous demandons au président aller la journée ou la nuit. C'est pour le président prendre le fait ça pour le faire. Mais en même temps, l'opposition elle-même, ce n'est pas pour la demander démission, président, virer tout. Donc, il faut nous avoir une capacité et maturité suffisamment pour nous mettre Haïti dans le temps comme intérêt commun. Nous. Pour nous dire, nous prenons le dialogue. Il faut que le président ouvre un dialogue sincère et il faut que les gens qui sont en opposition, sincèrement ou volontairement, viennent dans le dialogue. Ça, mais il faut que son dialogue sérieux, sincère, franc, que le doyer, pour que nous gardions des problèmes pays et nous résoudions ensemble. Problème, il y a là devant nous. Là. Certes, le problème, c'est corruption, c'est injustice, mais c'est la misère, c'est le chômage, c'est la santé, c'est les problèmes de l'éducation, c'est les valeurs morales qu'a perdu dans le pays. En nous chita, nos vrais dialogues, pour nous discuter et pour nous bâtir un plan de développement pour pays nous pour 25 prochaines années qui viennent là pour nous capables côté si nous sorti dans zone de guerre que nous entré là dans zone de guerre civile que pays a entré journée aujourd'hui là nous même dans unir nous pas pour la radicalisation des positions nous voulons pour un chemin de dialogue sincère franc qui prend pour nous poser vrais problèmes pays a et ensemble pour des solutions à eux mêmes président garanti pour ces sous question l'agent Petrocaribéa c'est un bail qu'a fait et de toute façon. Oui, mais c'est ça m'a dit, il faut que le président rende parole li crédible. Il dit ça plusieurs fois d'ailleurs, il contredit tête lui-même dans la question Petro-Caribé. Il était dit en décembre 2017 que pas de problème Petro-Caribé. Il était à Paris. Il dit pas de problème Petro-Caribé, il a bloqué question ça, c'est règlement de compte politique, c'est persécution politique lié. Si je dis à lui changer position, il rend compte que c'est pas persécution politique lié, c'est vrai un problème de détournement de fonds, de corruption, de gaspillage d'argent l'État. C'est très bien, mais il faut qu'il passe dans des actes qu'on y a là qui va monter. L'œil d'un discours, c'est pas discours seulement parole liée, li passé à acte. Et acte là, le posé à, faut que président fait des sacrifices. Acte il doit faire. Ah ben, sacrifice, il faut commencer à montrer que même dans l'entourage, il va commencer à monter des mouns. Mon cher, était sous côté en attendant que la justice blanchit ou en attendant qu'on retourne. Parce que dans l'entourage du président, faites pour des mouns qui propres, des mouns qui corrects. Si il y a une suspicion sur vous, eh ben, c'est écarté ou, quitte le président fait travail, et faut le président gagne courage pour le mander au ça lui-même, pour lui capable sauver le mandat par là tout lui-même, pour lui capable permettre que le pays rejoigne la stabilité nécessaire que le besoin pour le projet là où capable avancer. Vous n'avez pas le titre de volontairement tout pour aider le président? Mais certainement, mais le président qui a demandé ça tout. C'est une ou l'autre. C'est soit ou volontairement ou utilité tout. Malheureusement, nous n'avons pas de pratique ça en Haïti pour on est démissionné, pour dire bon, moi-même, je prends devant la justice. Faut n'est peut-être à la justice, s'il ne gagne pas le craint, il ne gagne pas le peur. C'est pour la dire, mes dossiers, moi, je ne gagne pas le peur. Mal la justice, je quitte pas ça, je ne dis pas là. S'il faut que je retourne là-dedans pour me récupérer, ma fait. En France, nous avons un cas comme ça. Hein? Et président parti modem, non, et François Bayrou, vous êtes suspect, monsieur, dans un problème. Et bien, monsieur dit, moi-même, nous étions le même ministre, moi, démissionné. DSK, etc. Donc, bah, ça, il faut nous avoir une grandeur d'âme ça, pour nous faire, yo, pour que. Nous rassurer la population en tout, pour la population comprendre que nous avons volonté pour nous sérieux. Car il y a un gros problème d'impunité dans le pays, à vrai, il faut reconnaître ça. Et nous pas qu'à politiser le problème de corruption. Non? Tout le monde qui parle en pile dans le pays, là, tout passe dans la corruption déjà. Il y a tout. Ça, c'est l'opposition. Là. En pile là, tu as géré l'État, tout passe. Ni ça actuellement au pouvoir, ni ça qui est au pouvoir, il y a 10, 15, 20 ans, tout passe dans l'État, tout gagne la corruption qui est opposée. Parce que l'intolérable, justement, que on est qui était ministre, il était entré ministre pauvre, et puis 6 mois après, il sorti multimillionnaire, puis tout le monde a regardé, il a joué l'argent ligne, dans l'impunité la plus totale, personne ne va poser la question. Ça, nous ne pouvons pas continuer comme ça encore. Mais pensez que le message 17 octobre, là, c'est ça, le voulait dire tout. Et une leçon qui est extrêmement importante pour nous tirer dans 17 octobre, là,
un président de la République qui a avec lui les pouvoirs de l'État, pas capable de déplacer sous territoire d'un point à l'autre sans que pas gagne samedi ouye yo, fusillade sous pont rouge pendant que le président a quitté, ou a tiré sous cortège officiel, pays a gon cassure, gon rupture qui fait entre population et dirigeants lio, mais pour nous retrouver confiance, ça, il y a les gestes qu'on fait. Secteur démocratique national et populaire, bat bravo la contentement. Remercier tout le peuple là, dans 10 départements géographiques pays et même dans 11e nan, qui te sorti hier pour t'aller chercher l'argent pétro-caribéenne. Mais nous profitons de l'espace ça tout pour nous dire hier, peuple a montré effectivement qu'il y a trois bagages qui jouent. Machine violence, machine répression, nous avons été campé pour attaquer les gens, nous avons pensé hier matin, barricade tap barré tout côté, roche tap voyé, vite machine tap crasé. Et depuis le matin, tout le monde a été libre. Ça veut dire, une autre fois encore, nous montrer ce mouvement pacifique que nous avons fait. Deuxième bagaille, nous jouons dans ça, quantité de monde qui répond présent. Il y a une radio qui dit 1 million, il y a une qui dit 2 millions, il y a une qui dit 3 millions. L'essentiel, en pile monde qui est sorti. Parce que l'agence a, nous-mêmes nous clairement dit, quel que soit côté qu'on blaye, nous-mêmes pour nous joindre. 1 million de gouttes pour casser que nous rété raccroché avec, même si ouais, il sort son exercice traversé pour l'autre. Nous souhaité que toute casse qui n'a payé comprenne que nous avons un budget qui reconduit et quand on budget reconduit, reconduit avec ça nous gagne sous lit comme avantage, de reconduit avec ça nous gagne sous lit comme projet. Donc, il y a toujours un délai. Il y a toujours une même possibilité pour déposer des projets pour être capable de bénéficier 1 million de gouttes qui sont sur le budget. Et deuxième bagaille, nous connaissons une invitation latente pour le ministre de l'Intérieur qui doit accompagner des directeurs qui sont dans le ministère. Et enfin, le bureau de chambre des députés a écrit le ministre et que la rencontre est fixée pour ce vendredi 19 octobre 2018. L'État général n'a pas avancé et nous avons déjà fait, nous quasiment rencontré tout secteur et groupe organisé qui est dans le secteur politique, économique et socioculturel. Et actuellement, c'est un dernier grand acteur que nous n'avons pas rencontré et peut-être que nous avons réservé ça à la fin, c'est le parti politique. Yo. Mais le parti politique, yo, nous font un traitement spécifique pour eux parce que compte tenu de statut même fonctionnement système politique là donc nous rencontrer directoire parti et pour nous capables et faire embarquer en dans processus là et en dans démarche là et eux même capable approprier les pour un réseau assez simple parce que parti politique c'est eux même qui gagnent comme vocation pour transformer revendication population hein, et exigence en programme et politique publique que yo gen pou mettre en œuvre les au grand pouvoir. Donc ce qui fait que donc on pas cap faire une démarche comme ça sans que parti politique pas approprié. Donc c'est ça qui fait nous prend temps, nous ça prend plus de temps. Et nous rencontrer déjà vérité, nous rencontrer fusion, nous rencontrer OPL. Nous avons déjà fait rencontre informelle avec la paix, nous avons parlé avec Unité pour rencontre et Mokrina, nous avons rencontre informelle que nous faisons pour préparer une rencontre formelle. Donc c'est dans le processus à nous et puis au fur et à mesure, nous avons rencontré et partis qui tout au moins qui sont présents dans le Parlement. Et puis quelques grands partis tout qui gagnent compte tenu du passé. De notoriété qu'ils ont gagné, même si on parle dans le Parlement, on n'a pas rencontré eux. Pour préciser l'état général, pour même comparer avec, mettre en perspective par rapport à ce qu'a fait dans la rue, c'est que l'état général lui-même, il a saisi de questions structurelles que un pouvoir pas qu'à résoudre. Pas qu'à résoudre par moyen classique. Il n'est pas qu'à arrêter pour résoudre, il n'est pas qu'à prendre une loi, il n'est pas qu'à faire le Parlement voter une loi, il n'est pas qu'à prendre une décision pour le résoudre. À ce moment-là, il voit question ça, il y a une société, il y a un citoyen,
qui réunit pour capable réfléchir, décider sur l'eau. Et une fois la décision est prise, parce que au pas de cas créer son problème au volet des citoyens, citoyens au chita et calmement, de manière assidue, ils réfléchissent aux propositions. À ce moment-là, et décision qui prend les opposable ou exécutoire. Nous serions des problèmes complexes. Et depuis 1986, nous avons adopté une constitution démocratique et libérale et qui supposait un état de droit. Donc, c'est-à-dire que avec tout acte citoyen et gouvernant, l'État et tout citoyen dans la société, tout groupe dans la société a supposé obéir à la loi. Il y a un ensemble de mécanismes qui pour appliquer et garantir l'application de la loi, c'est la justice, c'est l'administration et l'autre type d'instance, c'est la police, qui garantit l'application de la loi. Et deuxième processus que cadre institutionnel tracé par la Constitution et bail, c'est démocratie. Donc démocratie à lui-même, c'est des mécanismes qui permettent aux citoyens de participer dans décision et choisir les gens qui viennent pour appliquer les décisions, les élus, à tous les niveaux. Et ensuite, donc, son constitution libérale qui demandait une économie de marché, avec libre entreprise, libre concurrence, et avec la liberté des prix, etc. Donc, des relations contractuelles. Mais le problème que nous avons là, c'est que tout processus qui est engagé, toute réforme que l'État ici a engagée depuis 1987, dans les années 90 surtout, de tout dérailler. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas réussi à mettre en place un État qui garantit l'application de la loi. Et c'est plutôt la violence, l'intimidation, la corruption, ces normes qui viennent appliquer. Peut-être que l'ampleur et phénomène pétro-caribé et l'autre type de sale que nous déconnons, de gaspillage, ou l'argent, caisse d'épargne, enfin, en tout cas, c'était bien à l'époque 2 millions. Donc, prouver que le processus-là n'est pas arrivé fait. Et c'est plutôt un système d'injustice qui est mis en place, un système de peser sur ses, d'écraser, briser, qui est en place. Et démocratie à tout n'est pas déraillé, parce que démocratie a son mécanisme qui permet peuple, la population, à la fois et participer aux décisions et à la fois et fait que revendication et exigence li et influencer comportement et décideurs. Donc, et fait que et exprimer revendication. Et pour le fait, conseil d'organes bien précis qui passent par lui, qui permettent que la démocratie à vivre, c'est groupe d'intérêt, association patronale, association et organisation syndicale, et autres professionnels, et l'autre type, et ONG, et l'autre type d'association de la société civile, c'est eux-mêmes qui gagnent vocation pour capable et ramasser frustration de la population, ramasser les revendications et exprimer. Pas de manière spontanée et dans la rue, mais de manière institutionnelle et continue, de telle sorte que ça, mon appartement est capable de transformer en décision ou bien en loi ou en arrêté pour résoudre le problème.